Bonjour, je m'appelle Sandy Romage, chef du 1973. Donc, l'envie de cuisiner, elle m'est venue de ma mère, qui est aussi restauratrice. Donc, elle faisait les bons petits plats le matin. Donc, ça m'a vraiment donné envie, l'envie de cuisiner. J'ai postulé pour pouvoir entrer au lycée hôtelier. Donc, j'ai été admis, super. Donc, il fallait poursuivre. Donc, j'ai poursuivi un bac techno, hôtellerie-restauration. Donc, il y a un bac polyvalent dans la restauration, dans la cuisine et dans le bar. Donc, j'ai poursuivi dans mon bac hôtellerie. J'ai entamé plusieurs concours au lycée hôtelier, des concours qui ont été très enrichissants parce qu'on nous a fait venir des MOF, des meilleurs ouvriers de France en cuisine. Et de voir qu'on travaillait et que les MOF ils nous encadraient, c'était super. L'adrénaline, voilà. Et donc, à la fin du concours, remise des prix, donc M. Romain Sandy a été premier avec son coéquipier Molia Hyacinthe. Super, donc ça s'est fêté super bien. Donc, après la réussite au BEP Techno, donc j'ai poursuivi en mention complémentaire organisation de réception. Donc parce que l'événementiel, ça m'attirait un peu, donc j'ai voulu voir ce que c'était. Donc après, il fallait entamer plusieurs stages. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer dans un stage à la CASA. Donc très enrichissant avec David Drumeau. Et après, lors des fins de stage, le vendredi, il m'appelle, il me dit « Bambi, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis « Bon, je rentre chez moi. » Il m'a dit « Est-ce que tu peux travailler pour moi ce soir ?» Je lui dis « Ok, il n'y a pas tout ça. » Donc je suis venu, il m'a montré un peu c'était quoi le lieu, 1973. J'ai vu que c'était assez bien, le cadre, l'ambiance. Après, voilà, donc j'ai continué le vendredi, le samedi. Après, ça fait maintenant un an que j'y suis. Les jeunes cuisiniers, je les motive à continuer. Parce que c'est un métier qui est très dur, très ingrat. Parce que c'est quand les autres s'amusent que nous, on travaille. Mais de persévérer, car c'est un beau métier et on fait vivre la Guadeloupe, la gastronomie.